Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde partie du Wolfwood Xenosaga. Alors on retourne directement dans le vif du sujet en continuant à éviter les ennemis. Donc voilà, les ennemis tout simplement, on ne peut pas les attaquer, donc on les leurre, etc. Enfin bon, bref, il y a des petites techniques pour faire ça. Et là, une cinématique ou je ne sais trop quoi. Oui, une cinématique. Can't we stop it? It's no use, it's not responding! Cosmos is starting up in auto mode! Huh? Wait a sec! We disabled that mode after the incident! Only the Chief's terminal can enable it! Damn it! Why now? Unless it's reacting to Gnosis. Where's the Chief? She should be heading this way, but the regular UMP channels are congested and I can't reach her. And the emergency line? I'm trying it now. What happened? I don't know. The power just suddenly... Huh? Huh? What? Dracula sort de son cercueil. Visiblement, ça a plutôt tendance à les effrayer. Alors, je crois que l'on reprend... Enfin, il n'y a pas une autre cinématique, quoi. Après ce long temps de chargement, voilà, on se trouve enfin dans le couloir. Alors, on l'a libéré le passage, donc maintenant, on va pouvoir passer. Et donc, ça va être comme ça pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on trouve un... Enfin, un moyen de les battre, en fin de compte. Et donc voilà l'une des petites énigmes, donc sûrement la troisième si j'ai bien compté, ou je sais pas quoi, enfin non pas la troisième, non, en fin de compte, tout le long du chemin il y a eu des petites énigmes, fallait appuyer sur des boutons, etc. Bon, c'était pas hyper compliqué, là c'est plus ou moins le même principe. Donc voilà, un monstre, un bouton, on appuie sur le bouton, plus de monstre. Le monstre qui s'amuse à faire du moonwalk en surplace devant la porte, parce que ça l'amuse. Voilà. Il va rentrer là-dedans, en raclant bien le long du mur.
Je sais pas trop comment il a fait pour passer par cette porte, mais disons que... je sais pas... C'est une sorte d'être chewing-gum, il est passé à travers. Donc voilà, on redescend. Et la suite... Alors, on peut voir sur le radar, en bas, les monstres au loin, quoi, sur les flèches jaunes. Les flèches vertes, ce sont des gens normaux, et la flèche rouge définit notre emplacement, en fin de compte. Et donc là, il y a un gars qui a les pétoches. Alors, je vais ici pour aller chercher... je sais plus quoi comme engin là qu'on avait quand on était dans le simulateur. Un espèce d'engin qui permet de... Ah bah j'ai perdu le mot. Oui, qui permet de se débarrasser des objets qu'on a sur le terrain. Parce qu'après là, il y aura une voiture qui bloque le passage. Bon, qui c'est qui me donne ce truc déjà? Bah c'est pas lui. Ça risque pas d'être lui. Il est juste un tout petit peu mort, quoi. Et comme on peut le voir, les morts sont quand même indiqués par des flèches vertes. Donc bon, c'est plus ou moins du décor, mais ils sont quand même indiqués. Bon bah, il va me le donner ce machin ou quoi? Bon bah, visiblement, hein, ils sont entêtés. Ils veulent pas me donner mon bordel, je suis pourtant sûr que c'est ici qu'on me le donne. Alors, bon bah, on va ressortir, je sais pas, y a peut-être un truc à faire avant. Peut-être que... je sais pas. Peut-être que c'est dans ce coffre qui est là, ça m'étonnerait parce que j'en ai vraiment pas le souvenir. Alors, faut faire attention parce que les ennemis sont pas... Voilà, donc on peut les attirer là-dedans. Et voilà, ils sont coincés dans le panneau, en fait. Ils sont tombés dans le panneau, littéralement. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir passer. Alors, quelques pièces, ça fait toujours du bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ouais, non, bah non, bah non, bah, bah non. Oh, mais où est-ce que se trouve ce bordel? Bordel. Alors, bon, voilà ce que j'avais dit qui bloquait la route. Donc, on peut pas le détruire tant qu'on n'a pas ce bordel. Alors, comment... Oh, on peut pas passer par là. On peut pas passer par là non plus. Là, y a rien. Bon, bah, j'y retourne. Je sais pas. Bon, tant pis. Bon, désolé pour ce contretemps. Je fais absolument n'importe quoi. Je sais pas. Bon, bah, merci. Hein. On sait que tu veux pas de nous. C'est pas sur la chaise. C'est pas sur la table. C'est pas sur le comptoir. Y a pas... Non... Et ce gars-là, alors... Oh, il me semble qu'il me vend des trucs, normalement. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à ce type? Il a décidé... Bon. Pas ce que je viens foutre ici, mais bon, j'en ressors. Je fais n'importe quoi. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est une boîte, un coffre, un truc ici, non. Bon, bah, faut croire que c'est pas là. Alors, je sais pas, pourtant, je pensais me souvenir que c'était là. Non. Je dois regarder là. Non, mais c'est pas possible, il doit bien y avoir un gars pour me vendre ça, ce truc. Bon, je vois une flèche verte là-haut, donc y a quelqu'un dans le coin. Bon, bah non, on peut pas passer à côté. Bon, bah je vais parler à ce gars dans le coin qui a l'air mort. Ah bah non, visiblement, il est vivant. Ok. Bah il me dit qu'il y a cette espèce de bordel qu'il faut que j'aille récupérer. Qui se trouve là où je voulais le récupérer. Bon, décidément, j'y comprends rien du tout. Voilà. Temps de chargement. Oh, on va pas me dire qu'il va me le donner maintenant. Oh non, mais c'est pas vrai. Il faut parler au gars pour que ça donne l'idée au personnage de lui demander
de lui donner ce bordel. Et bon bah je redemande comment on fait pour s'en servir de ce truc là, même si je m'en rappelle. On s'en fout. Et il me vend vraiment des trucs. Putain, non mais c'est pas possible, mais... Oh, je déteste quand il y a des trucs comme ça. Parce que quand on se rappelle du jeu, en fin de compte, c'est quasiment préférable de pas se souvenir du jeu, en fait. Bon, bah ça, je suis déjà équipé avec les meilleurs trucs. Bon, je crois que je vais m'acheter des trucs pour ressusciter, parce que ça coûte pas cher, en plus. Alors ça, c'est marrant, parce que c'est un jeu où on ressuscite si les personnages... sont morts pendant le combat, ils ressuscitent à la fin du combat, mais les objets pour ressusciter coûtent pas cher non plus. Ce qui est quand même assez étrange, parce que d'habitude, quand c'est un jeu où on ressuscite en fin de combat, c'est que c'est difficile de se ressusciter en plein combat. Donc je sais pas, bon ben, ça coûte pas cher, donc autant en profiter. On peut déjà faire une petite réserve dès le début du jeu, donc voilà, bah faut... Autant en profiter, hein. Voilà. Là, on peut l'éclater. Ça, on peut pas l'éclater. Est-ce qu'on peut éclater autre chose? On peut éclater ça, mais ça sert à rien. Y a pas d'objet dedans, donc bon, bah, voilà. Continuons à descendre. Enfin, monter. Enfin, bon, bref, je veux dire, aller vers le sud, quoi. Même si, comme c'est en 3D, c'est pas forcément le sud. Alors, voilà pourquoi on nous entraînait à faire le tour de ce pilier en jouant à chat. C'est pour cette raison. Et là, voilà, si on négocie bien les angles, eh ben, il n'y a aucun problème. Surtout que cette espèce de bidule chouette, là, est visiblement plus lent que les autres. Ok, donc là, le personnage se déplace tout seul, car il a vu son ami de la porte aux clés, là... Le maître des clés, passe-partout, je sais pas quoi, bah qui était en train de crever. Donc voilà, il me passe la clé pour ouvrir la porte qui est en face. Bon, c'est la première porte qu'on pourra ouvrir. Alors, comme vous pourrez le voir, normalement, on récupère pas les clés des portes, en tout cas pas majoritairement, hein, c'est il y en a quelques-uns comme ça qu'on récupère la clé dans le niveau, enfin la clé de la porte d'un niveau directement dans le niveau, mais normalement en fin de compte on récupère les clés dans les niveaux suivants pour les portes des niveaux précédents, ce qui fait que ça nous oblige plus ou moins à refaire en fin de compte les niveaux qu'on a déjà fait pour faire du level up, etc. Alors c'est toujours bien. Bon, moi je vais éclater des trucs, parce que quand on éclate des trucs on récupère des objets, un peu comme dans beaucoup de RPG où on fouille des meubles, etc., on trouve des trucs. Alors là, bon, c'est pas exactement le même principe. Là on éclate les trucs pour trouver les objets dedans. D'ailleurs je vois pas très bien comment l'objet qui était à l'intérieur reste indemne, mais bon, bref, disons qu'on a du bol. Voilà, et donc cette cinématique qui ne parle pas beaucoup, qui ne parle pas pour le moment, qui parle. Walking around like it owns the place. Je fais du bibouga pour mes petits cochons. It's moving around randomly. It looks like it's alone. This is insane. Alors, va falloir se demander où ils ont appris à tirer, parce qu'avec autant de force de feu, ils l'ont loupé. You. What the hell are you doing here? What do you think you're doing? Those bullets could have killed me. What are we doing? Que c'est le but. What the hell do you think you're doing running around like an idiot? We thought you were a Gnosis. Look. My own problems to deal with. Here I am getting attacked by the Gnosis. I'm getting lost at every turn and don't give me a hard time right now. What the hell? Lost?
You're the idiots who built this ship! I'm not with the fleet design department. I wouldn't know a thing about ships. We're on DEFCON 1 alert! What the hell is a civilian like you wandering around the ship for? Well, I've got an emergency. I'm worried about Cosmos. What the hell is Cosmos? Ah, never mind. Deal with it later. Just get to a shelter and stay put. Believe me, if I could, I would. Then why don't you? I just told you, Cosmos is... Ah, shut up! Hey! They're coming! Get back! Lieutenant! What? You think I'm deaf or something? You... What the... Hey, you! Get away from the wall! Section E to the hangar. You know about the escape pods there, don't you? Well, that's where they are. Please use one and abandon ship immediately. And you and the others? We'll hold them off here. You've got to hurry. I can't do that. I can't just run off by myself. We'll have to leave together. This is what we were born to do. But you... You! What do you think you're doing? Get back here and engage the enemy! Take care. Alors, un temps de chargement, et normalement, on est de retour. À pouvoir marcher soi-même. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les musiques. Les musiques sont pas vraiment terribles. Oh merde. Delta sector has gone silent. Fire control net. Functionality down to 20%. Fire control, what's going on down there? Take out the mothership! We can't! We're too close to fire the cannons! There's a breach in the reactor room! Emergency core shutdown! Switch to reserves! AIG's losses have exceeded 70%! I'm trying! This is the cruiser Woglinde with the 117th Marine Division. We're engaged with the Gnosis. Coordinates KX417Y009Z735. Requesting immediate reinforcements. Repeat, this is the cruiser. Captain, it must be. No question about it. They're after that thing. Where's our first officer? What happened to Cherenkov? Locate him!
Bon alors, j'espère que là, on va pouvoir causer un petit peu. Parce que là, ça commence à faire... Ah bah non, non. What's the status? We've connected the main field generator and this block's sub-reactor. It'll only hold for 3 minutes, but we can move this ship under power. Bypass connection to the logic drive secured. You can take control from this terminal. That's fine. Good work. Commander, I object. Purging this entire block and executing a gate jump is suicide. You know as well as I do what happens when a human body enters hyperspace unprotected. All that matters is that we get this to the commander. We'll be at the next column area in a matter of minutes. There's no time. Get in the pod and evacuate with the others. But commander, the Gnosis are swarming all over the place. We won't stand a chance even if we do evacuate. We should accompany you. Listen. The Gnosis are insignificant. They are nothing compared to what'll happen if it awakes. As soon as you launch the escape pod, inject yourself with 8 milligrams of Dig Beta. You'll fall into a temporary near-death state, but that'll keep them from noticing you. Reinforcements from Central Command will arrive in a few hours. You must survive until then, or my death will be for nothing. Commander! Commander. Go now. Lester! What? What do I do? I gotta stop them. There's gotta be a way. But how? Hey, you. What are you doing? Give that back! Quit your whining. I'll give it right back. Hey. They're based on the 508 series, right? So what if they are? It's been almost 14 years now. Since I returned from Milsha, that is. Out in the fields, I took apart so many of them to get what I was looking for. It was a lot of work, you know. What with that dual stage protection they got and all. Dual stage? Lieutenant, you consumed their neuro... But of course, they were quite delicious. How could you? That's when I found out about the control code. It's quite a convenient function you put in there. That's right. I'm going to have these marionettes hold off the Gnosis for us. Just like this. Stop it! What do you think they are? This is a clear violation!
violation of... Of their rights? That's for peacetime, lady. You think I don't know the Milshian Charter? Milshian Charter, Article 4, Paragraph 13. Weapons-grade Realians are required to be equipped with a remotely accessible behavioral limit and self-destruct system in case of emergency or malfunction. Use of these functions will be determined by the senior officer in charge of the situation. Am I right? Well, that time is now. And I am the conductor. I intend to make full use of my orchestra. Stop it! You have no right to play God with their lives! Using them as pawns! I won't let you do this! So what are you gonna do about it? Tell me. Why haven't you disabled that function? Sure, it's factory loaded, but you of all people shouldn't have any trouble removing it. Since you care about them so much, all it would take is a little tweak, and they'd be free as birds. And yet you don't. Why not? Because company protocol dictates... Exactly. It's protocol. In other words, you're just like me, bound by that protocol. We're the ones that give them a reason to live. Am I wrong? But I... That's the difference between us and them. Am I wrong? So why not give it to them? A meaning to their pitiful existence! Quand je parlais de manga satire, hein, voilà de quoi je parlais. Des fois ça y va fort. Et c'est bien. Alors, je sais pas trop pourquoi ça s'enchaîne aussi rapidement, mais je pense qu'il y avait peut-être une phase de gameplay qu'ils ont décidé d'enlever. Parce que ils voulaient peut-être faire en sorte que cette phase-là soit la première phase en mecha pour apprendre à l'utiliser. Et étonnamment, bah ils ont préféré faire ça dans le tutoriel du début, donc bon. Je parlais de la bande-son, donc je disais La bande-son est faite par Yasunori Mitsuda, celui qui a fait Chrono Cross, Chrono Trigger, Xenogears, etc. Enfin, un très grand nom de la composition de musique pour RPG notamment. Et je trouve qu'il est vraiment pas bien mis en valeur. Là, il y a toute sa vie qui lui passe devant ses yeux. La musique est vraiment pas bien mise en valeur parce que parfois il y a des très bons thèmes qui sont utilisés et qui sont bien utilisés, et très souvent en fin de compte on a plutôt des bruitages d'ambiance plutôt que la musique. Et vraiment c'est vraiment dommage. Je trouve ça très 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 dommage. De très bonnes cinématiques là qui commencent à arriver avec avec de vraies considérations. Thank you.
Force helped everyone escape. They're all on the training ship. Now we need to get you out of here. Cosmos? Voilà le fameux truc qui nous permettra enfin de les attaquer. Parce que sans ce fameux truc, ils sont à moitié transparents en fait. Donc voilà. Là ça devient d'un coup plus facile. Et c'est là où on va vraiment commencer à attaquer du monde là. Non, de toute façon ça lui tombe dessus. Xion. Yes? We will now proceed to Hangar 1. Huh? There is a 99.998% probability that the Gnosis target is the object stored in that hangar. My assigned duties are to verify and preserve the integrity of that object, and to protect the Vector staff members. But I... Life pods are located on the second level of the hangar. Please use one to escape. Cosmos. Chief! Eh, voilà un petit combat. Quand ça aura voulu arrêter de charger. Alors, voilà. On est trois. Bon bah là on y va à la main. Bon ça a pas l'air de lui faire grand effet de l'attaquer comme ça. Ok. Non j'ai fait qu'une seule attaque pour pouvoir stocker. Voilà bon. Pouf. Visiblement, il est plutôt sensible aux attaques à distance, donc on va en profiter. Et voilà. Ah oui, en effet, oui, il est plutôt sensible aux attaques à distance. Putain. Dès le début du jeu, ça rigole pas, hein. Ça, c'est une particularité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme attaque spéciale, lui? Ah bah il y en a pas. Alors du coup je pense qu'on pourra jamais utiliser ces deux petits points là que j'avais mis en stock pour rien. Enfin vraiment pour rien maintenant. Donc voilà les attaques physiques lui font vraiment que dalle. Hein. Voilà sauf que la super attaque c'est plus ou moins une attaque élémentaire de foudre. Donc ça lui fait quand même pas mal de douleur je dirais. Et donc là j'hésite entre stocker ou faire la super attaque. Bon je stocke pour faire la super attaque au lieu de faire deux attaques. Même s'il arrive bientôt à la... Oh là j'ai un personnage de crevé. Même si on arrive bientôt à... qu'est-ce que je voulais dire? Voilà j'ai bien fait d'acheter de quoi ressusciter. Parce que si on meurt à la fin du combat, on gagne pas de points d'expérience. Donc voilà, vaut mieux ressusciter les personnages. Même quand on sait que le prochain tour, il est mort. Bon, là je suis pas sûr en fin de compte. Donc je vais plutôt soigner tout le monde. Vu que
comme j'ai 6 points, merde, j'aurais dû faire ça avec l'autre personnage, parce que lui, on n'aurait jamais pu utiliser les 6 points sinon. Mais quand on a donc 6 points d'AP là, on peut utiliser ces points non pas pour une grosse attaque, mais pour faire en sorte d'utiliser, au lieu d'un seul objet dans un tour, d'utiliser deux objets dans le même tour, mais pour avoir l'effet de trois objets en fait. Ce qui est vachement intéressant tactiquement parlant, donc c'est à utiliser quoi, c'est vraiment pas à négliger comme idée. Voilà, vraiment, là j'ai un personnage qui est vraiment dans la merde, mais c'est incroyable quoi. Donc comme lui il a les 6 points, et ben je vais faire comme j'avais dit au tour précédent, où j'avais oublié de faire ça. Et ben là je vais pas me gêner, je vais le faire. Bon allez hop, là je crois que on va se soigner, voilà, parce que bon, elle a vraiment pas beaucoup de points de vie, mais là je crois que je vais bombarder, là, on va essayer de voir si on arrive à terminer l'ennemi sur cette attaque là, ça serait étonnant. Oh non, c'est possible, vu que là on a eu un critique. Je pense qu'on va le terminer là. Ou si c'est pas là, c'est... Ah ouais, non, bah oui, bon, bah je vais faire un boost. Comme ça, ce sera directement le personnage qui a le plus d'effet sur cet ennemi-là qui va attaquer directement, c'est-à-dire elle. Et là, je vais y aller western, donc, pouf, et puis c'est tout. Ça suffit, t'es mort. Alors, voilà. Alors oui, comme on a pu le voir aussi, l'ennemi nous a infligé comment on appelle ça, une... Ah bah tiens, bah voilà que j'ai perdu le truc. Une altération d'état négative. Donc Cosmos recevait plus de dégâts, elle était plus vulnérable aux attaques. Alors on aura des techniques et des objets pour pouvoir nous soigner de ce genre d'état, hein, parce que voilà, c'est pas... Voilà une très très bonne idée, dépressurisation, et hop, comme elle craint pas le manque d'air, vu que, bah, elle en a un peu rien à foutre, hein. C'est sûr que quand on fonctionne pas à l'oxygène, ça marche tout de suite beaucoup mieux, pour survivre comme ça dans l'espace. Ah tiens, un des rares dialogues donc qui se passe sans doublage, mais c'est vraiment pas grand chose, hein. Quand c'est sans doublage, on peut dire aussi que c'est sans intérêt, hein. Sauf quand on parle à des gens optionnels, mais je veux dire quand c'est dans le scénario lui-même, l'intérêt est presque nul. Hein. Et voilà, donc c'était Paul qui m'interrompait en plein walkthrough, donc. Bon, pas grave. Je sais même plus ce que je disais, à part que ce type de dialogue souvent sert pas à grand chose. Là, je lis même pas parce que... Ah oui, non, mais ils disent oui, si je me rappelle bien. C'est en effet pas grand chose, et voilà, bon. Alors, voilà, ces fameux bidons, là, qui stoppent les ennemis. Et qui permettent de faire des... Il faut pas oublier de se soigner. De faire des... Comment on appelle ça? Des... Bon, je vais pas gaspiller les S parce qu'ils sont quand même beaucoup plus... beaucoup plus rares à trouver, même si je crois que ce sont les ennemis qui me les ont donnés, ou je les ai peut-être achetés, je me rappelle plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, là ils ont l'altération slow, quoi. Ils sont super rapides. Ils sont super lents. Et donc... merde, j'ai pas battu en un coup. Il lui reste qu'un point de vie. Non mais... Oh, commencer à me demander si c'est pas comme dans Dragon Quest où les ennemis c'est souvent mais alors au point de vie près quoi, sauf que là j'ai carrément les points de vie qui sont affichés, donc du coup ça fout encore plus la rage. Donc voilà, là ils sont en mode lent là les ennemis, donc du coup bah ils ont très difficilement le temps d'attaquer. Voilà, là je vais pas attaquer deux fois avec lui parce que ça sert strictement à rien, il avait qu'un point de vie. Bon bah, il y a, comment ça s'appelle, là, Cosmos, là, qui demande d'être nettoyé. Bon, d'accord, ok. Voilà. Y'a rien là. Voilà, parce que c'est toujours intéressant d'éclater tout ce qui nous passe sous la main, parce que, voilà. Hein. Ok, ça doit être l'interrupteur pour ouvrir les portes, là, qui ont été fermées au début, là. Enfin, au début de l'alerte, je veux dire, parce que c'était dans la vidéo précédente.
Et donc, voilà, on appuie là-dessus. Oui, on appuie là-dessus. Et ça va nous permettre de retourner à la chambre et donc du coup de retourner à la sauvegarde. Putain, ça va mettre combien de temps à dire que ça va s'ouvrir avant de s'ouvrir? Voilà. Voilà, donc ça c'est toujours pratique de pouvoir retourner à la sauvegarde car je sais pas où se trouve la sauvegarde ensuite. Mais bon, c'est pas mal de retourner à la sauvegarde. Donc, voilà, donc ça c'est un truc de RPG, enfin de rôliste. Quand ce sont des jeux où on peut faire des game over, vaut mieux retourner à la sauvegarde. Toujours important de retourner à la sauvegarde assez fréquemment, parce que sinon on perd 40 minutes de jeu. Je coupe la sauvegarde. Non, je ne coupe pas la sauvegarde. Parce que je sais pas si je vous ai montré comment fonctionnait la sauvegarde, mais on s'en fout de toute façon. Voilà, donc on va continuer, on ressort. Donc, je sais vraiment pas quoi vous dire, à part que voilà, les musiques là, cette musique là, on l'entendra je sais pas combien de fois dans le jeu. Et d'habitude, Yasunori Mitsuda, là, le fameux compositeur. Il a l'habitude de faire énormément de musique, etc. Qu'elle soit extrêmement bien trouvée, etc., etc. Et là, je trouve franchement que c'est pas. Il a peut-être pas eu le temps de terminer. Voilà, j'en sais rien du tout. Et d'ailleurs, dans le prochain Xenosaga, il sera carrément plus du tout à l'affiche, quoi. Il fera même plus la bande son. Ce qui est dommage parce que voilà, alors là comme vous avez pu le voir, une petite tactique, c'est accumuler un truc puis ensuite utiliser le boost pour pouvoir directement utiliser très très rapidement l'attaque spéciale. Donc du coup comme ça on gaspille pas de temps quoi, hein, on y va directement, hein, on fonce dans le tas et on peut battre rapidement les ennemis. Alors là bon, j'attaque avec Chaos Cosmos l'autre ennemi parce que avec un peu de chance, je peux peut-être le battre en un coup. Oui, avec un peu de chance, je l'ai battu en un coup. Et là, lui, il lui reste assez de temps pour pouvoir, à mon avis, achever celui-là. J'espère qu'il va l'achever. Putain, là, je crois que j'ai été sauvé par le coup critique. Sinon, je l'aurais pas achevé. J'aurais peut-être mieux négocié les boosts. Et là, j'aurais été certain de le battre, mais alors, sans aucun problème. Donc, voilà, on gagne quelques points d'expérience, et on gagne pas que des points d'expérience, on gagne des points de technique, des points, on va dire, pour faire l'évolution de la magie, et un autre ennemi, et des points de quoi? Ah oui, de skill, oui, ce qu'ils appellent skill, en fait, ce sont pas des techniques, quoi, en fin de compte. Ce sont ils auraient plutôt dû appeler ça des points, ouais, en fait, ils auraient, je sais pas, ils auraient dû mieux trouver le nom. Parce que skill, ça fait des techniques aussi, des techniques d'attaque, etc. Alors qu'en fin de compte, ça permet juste d'extraire, en fin de compte, les effets bénéfiques des objets. C'est-à-dire, si t'as un objet qui te permet de t'immuniser au feu, par exemple, ou je ne sais quoi, eh ben, on peut extraire cette capacité de l'objet K à nous protéger du feu pour faire en sorte que, même sans avoir cet objet d'équipé, on se protège du feu. Enfin, je vous montrerai ça plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas assez de points pour se pencher là-dessus. Mais on va y aller après, quoi. On va... Dans quelques temps, là, si ce n'est pas au prochain donjon, ou peut-être même encore plus tard, bien se pencher sur ces points, parce que ça permet d'augmenter les fameux points de technique, là, par contre, permettent d'augmenter la puissance des attaques spéciales, Et surtout la puissance des attaques spéciales, en fait, parce qu'ils servent aussi à autre chose. C'est-à-dire, ils permettent d'augmenter son maximum de points de magie, son maximum de points de magie, je suis pas sûr. Si, de points de magie, de points de vie, de force, etc. Comme si on utilisait, par exemple, des fameuses graines de magie, ou je ne sais quoi qu'il y a dans les Dragon Quest, les fameux objets qui augmentent de manière permanente les caractéristiques des personnages. Sauf que là, ça fait gaspiller des points comme ça, donc je l'utiliserai quasiment jamais dans le jeu, en fait. Je crois que je l'utiliserai à la fin du jeu
pour faire rattraper certains personnages auxquels j'aurais pas fait assez de level up ou des trucs comme ça. Mais à part ça, ça sert strictement à rien, quoi. Je veux dire, c'est pratiquement inutile, quoi, de faire ça. Donc, vaut mieux se pencher sur les attaques spéciales. Et surtout sur une petite particularité des attaques spéciales qu'on peut faire quand on a assez de points de technique, mais que je vais pas vous montrer maintenant du tout, parce que je vais vous en faire la surprise. Je vais pas vous l'expliquer ni quoi que ce soit, parce que c'est un truc qui va devenir vraiment très très avantageux dans le gameplay, quoi. Quelque chose de quasiment il y en a qui disent de quasiment spoiler, quoi, d'irritant, quoi, de... oui, parce que spoiler, ça veut dire irritant en anglais, ça veut dire oui, irritant. Je sais pas pourquoi on utilise ce mot en français pour ça, peut-être qu'en Amérique ils utilisent le même mot, je sais pas du tout. Je me suis pas renseigné là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est un truc qui va d'un coup rendre le jeu plus simple dans certains cas. Et encore, hein, quand je dis que ça va le rendre plus simple, c'est pas forcément une tactique à utiliser, parce que... j'ai plutôt tendance à faire ce fameux truc le plus rapidement possible, mais en fait c'est peut-être une mauvaise tactique, en fait. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis. En fait, on peut augmenter la puissance d'attaque des attaques, et on peut aussi augmenter la vitesse de récupération des attaques, c'est-à-dire que quand on a fait une attaque spéciale, c'est comme si la caractéristique vitesse du personnage était réduite, et on peut faire en sorte qu'elle soit pas du tout réduite en utilisant des points, etc. Mais il y a aussi un troisième truc qu'on peut faire, et ce troisième truc qu'on peut faire, c'est ce fameux troisième truc dont je parle, je vais vous laisser la surprise de ça, parce que on s'y attend pas, quoi, en fait, on s'y attend pas tellement. Alors, je vais utiliser la magie parce que j'ai pas envie d'utiliser les objets, parce que comme je vous l'avais dit, les objets sont vachement avantageux par rapport aux magies, parce que on peut les transformer en fait en comme une magie globale, en fait, les objets, on peut les utiliser sur les trois personnages en même temps. En plus, ça en fait utiliser que deux au lieu de trois, ça fait en sorte de ne pas utiliser ses points de magie, ça fait en sorte de gaspiller, au contraire, de ne pas gaspiller deux tours, etc. Bon, allez, hop, cinématique. Le jeu semble vraiment bourré de cinématiques à ce niveau-là, en fin de compte. On a vraiment l'impression que c'est un jeu qui est plein de cinématiques, et en fin de compte, quand on continue le jeu, et ben on se rend compte que, bah oui, il est vraiment bourré de cinématiques, quoi. C'est pas juste une impression, hein, il est bourré de cinématiques. Il doit y avoir 50% du jeu, c'est de la cinématique, si ce n'est pas plus. Mais le scénario est vraiment barré par moments, vraiment... vraiment très 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 bizarre, très... Donc en fin de compte, c'est une bonne nouvelle, moi, comme je le disais dans ma vidéo précédente, c'est comme faire un bouquin, enfin lire un bouquin en même temps que de faire un jeu, ou faire un film en même temps que de faire un jeu, là dans ce cas-là, vu qu'il y a beaucoup de doublage, etc. C'était pas le cas dans Xenogears, par exemple, où ça ressemblait plutôt à un bouquin, en fin de compte, si on... Un livre illustré, ou je ne sais trop quoi, une BD. Voilà, donc c'est... Enfin, moi, j'aime bien quand c'est bien scénarisé, en tout cas, ça passe très bien. Final Fantasy X, j'ai bien aimé ce jeu, parce que... même si le scénario, parfois, tombe dans une niaiserie assez... On va dire, voilà, bon, c'est pas subtil pour dessous, parfois. Et ben, la plupart du scénario est quand même extrêmement subtil, avec des gros trucs induits, des métaphores de tout et n'importe quoi. Enfin, des trucs géniaux, quoi. Qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, Final Fantasy X, Xenosaga et tout ça, ça fait partie de ces RPG hyper scénarisés, si c'était hyper scénarisé et mal fait, ce serait horrible.
This ship is about to capsize. Please make haste. Wait, Cosmos. Cosmos, do you understand what you've just done? My assigned duty is to protect Vector employees. Protection of military personnel is not part of my prime directive. That's no excuse! You have no right to go about killing people! Why did you shoot Lieutenant Virgil? With your power, you don't have to sacrifice anyone to- At that time, Lieutenant Virgil was in my direct line of fire. Any changes in my firing position to avoid Lieutenant Virgil while protecting you would have resulted in a 30% depreciation in my offensive capabilities. C'est vraiment bien vu, cette façon de raisonner pour un androïde, quoi. C'est un androïde, est-ce qu'on dit ça? Cyborg, c'est quand il contient encore des parties humaines. Oui, enfin, j'en sais trop rien. Enfin, pour quelque chose de totalement mécanique. Je trouve que c'est hyper bien vu de faire en sorte qu'elle ait des raisonnements aussi... aussi semblable en fait à un ordinateur, quoi. Je veux dire, c'est la statistique avant tout, quoi. Mais vous allez voir dans la suite du jeu, ça a pas été assez employé, je veux dire, ça a pas été assez exploité, quoi. J'adore cette phrase. Ouais, parce que ça, là, c'est hyper insensible, c'est quasi dégueulasse ce qu'elle dit. Enfin, je veux dire, c'est voilà, quoi. Je veux dire, aucun sentiment, quoi. L'autre, il en a peur, quoi. Mais alors, comme pas possible, et on peut le comprendre, hein. Faut vraiment pas se tenir dans son chemin, parce que si tu la retardes de 2 secondes de son objectif, elle va te tuer. Donc bon, bah d'accord, ok, mais ça a pas été assez employé en fait dans le jeu comme idée. C'est vraiment pas une idée qui a été très 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 poussée. En fin de compte, plus on va dans le jeu, plus elle va plus ou moins s'humaniser, quoi. Alors là, ça sent le méga gros cliché, ok, d'accord. Mais ils ont quand même réussi à trouver un stratagème énorme, parce que certes, on a l'impression qu'elle s'humanise, mais en fin de compte, c'est pas... Enfin bref, je vais pas vous spoiler ça parce que c'est énorme encore une fois, mais c'est encore un truc totalement induit. C'est pas quelque chose que l'on comprend directement. C'est vraiment, je dirais presque que c'est des jeux pour un télo, quoi, les Xenosaga. Pardon. Désolé. Voilà, bon bref. Oui, je disais, c'est presque des jeux pour un télo. Et parce que tout est induit, tout, rien n'est limpide, quoi. On va pas te dire directement, ça c'est le gros méchant parce qu'il a tué machin, et puis voilà, hein, c'est bon, hein, fais avec ça, et puis tu te démerdes, tu vas battre le grand méchant, parce qu'il est méchant. Hein. Non, là, tout le monde a ses motivations, le grand méchant du jeu, eh ben on le connaît pas. On connaît des trucs, mais ça a rien à voir avec. Enfin, le monde est pas bipolaire, quoi. Y a pas les vilains et les gentils, quoi. Y a pas les bisounours et les gros vilains pas beaux. Voilà. Bon, je veux dire, c'est non. Là, franchement, non, c'est pas le même. Si vous pensez à un Dragon Quest, non, c'est pas ça, quoi. Dragon Quest, c'est génial, Dragon Quest. D'ailleurs, je pense que je vais faire un walkthrough aussi sur Dragon Quest 8, parce que je crois que j'en ai pas vu. J'en ai pas encore vu de walkthrough sur Dragon Quest 8. Donc ça va être mon prochain walkthrough, ou carrément, si vous trouvez que c'est une bonne idée, j'alternerai entre Xenosaga et Dragon Quest 8. Je ferai l'un après l'autre, etc. Toutes les 2 semaines, un walkthrough différent. Et voilà, bon, ça fera en sorte que ça mettra quand même beaucoup plus longtemps, parce que sinon ça aurait été que du Xenosaga, toutes les 2 semaines, hop, du Xenosaga. Mais là, ça aurait été Xenosaga, Dragon Quest, Xenosaga, Dragon Quest. Alors bon, bref, s'il y a assez de gens qui me regardent pour me dire
et qui me regarde en tout cas en entier sans zapper certaines parties pour me dire s'il préfère que je me concentre sur Xeno Saga ou que je fasse Dragon Quest en même temps. Enfin bon, c'est eux qui voient. C'est vous qui voyez donc. Qu'est-ce que je disais là? Il faut que je me redonne de la vie. Je disais quoi? Oui, c'est presque du RPG pour un télo. Ça tranche vraiment avec des RPG comme Dragon Quest, qui sont quand même très bons. Hein, c'est pas le même style, mais ça se vaut quoi. Ça se vaut dans le sens où il y a du RPG prise de tête et du RPG pas prise de tête. Dragon Quest, ça fait partie de ces RPG qu'on peut arrêter pendant 2 mois et puis reprendre. On n'a pas perdu le fil du scénario, on s'en fout en fait. Au prochain rebondissement, on retombe sur nos pattes quoi. Là, je serais presque tenté de dire qu'il faut faire tous les Xenosaga puis Xenogears à la suite si on veut vraiment en tirer le meilleur parti, quoi. Je veux dire, ça va jusque là, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment pas du jeu qui se... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est vraiment pas du jeu qui se fait comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas un petit jeu comme ça qu'on fait dans un coin en se disant voilà, ça va m'occuper pendant 2 ans. non, ça c'est n'importe quoi là, de faire comme ça. Voilà, mais le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'ils ont séparé ça en 3 épisodes. Alors, même si c'est suffisamment bien construit pour qu'on puisse se rappeler plus ou moins de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Pour retomber sur ses pieds en fait, voilà, on va quand même avoir un peu de mal à y replonger quoi. Mais bon, c'est pas forcément un défaut, hein. Moi je trouve que c'est plutôt une qualité dans le sens où voilà, ça a fait en sorte qu'ils prennent leur temps pour faire le jeu. Sinon, ils auraient sûrement eu du mal à rentrer dans leur budget, etc. Parce qu'il fallait sûrement qu'ils vendent le premier pour qu'ils aient ensuite assez de sous pour continuer le développement en fait. Parce que voilà, il devait être serré quoi au niveau du budget. C'est d'ailleurs pour ça qu'au lieu de 6 épisodes, il y en a eu 3 en fin de compte au final. Un peu comme Shenmue en fait, ça me fait penser à Shenmue. Parce que Shenmue, il devait y avoir aussi 6 épisodes. Et au final, il aurait dû y en avoir 3 parce qu'ils ont abandonné. Voilà. Mais carrément, il y en a eu plus que 2. Parce que le troisième, la vraie fin, ce qui aurait dû être la fin, eh ben, il est jamais venu. Alors ça aussi, ça fait chier parce que Shenmue, c'est pas forcément. Un jeu grand public, ça avec. Même si Xenosaga c'est déjà un peu plus grand public parce que y a beaucoup de gens quand même qui aiment la science-fiction, etc. Les trucs assez mystiques, etc., etc. Enfin bon, je veux dire, Xenosaga a été quand même critiqué comme étant un jeu super complexe, etc. Alors que même si tu passes à côté de tout le scénario, même si tu comprends que dalle à ce qui se passe, il y a quand même l'attrait technologique de l'affaire, quoi. On trouve que c'est bien trouvé, on trouve que le design est beau, on trouve que c'est. Oui, voilà. Bon, bref, même si t'as rien compris. Il y a un minimum d'intérêt quoi, je veux dire, c'est pas le jeu de la loose où là tu te dis mais je suis passé à côté de tout quoi. Je disais que si on passait à côté de tout et tout ça, etc., c'est vrai qu'on peut facilement passer à côté de beaucoup de choses, parce que quand même le jeu contient un nombre de références. Oui, on ne peut pas entendre les gens parler dans l'espace. C'est logique. Donc du coup, voilà, ça c'est un petit truc. Affirmative. It was an emulator. Non, c'est pour l'instant pas du tout à qui il parle. Et c'est logique, c'est fait exprès. Suspense. Oui, je disais, le nombre de références là-dedans, c'est juste gigantesque. Il y a des références à des tonnes de films de science-fiction, à des tonnes de tout et n'importe quoi de science-fiction, de manga, de... On sent du Ghost in the Shell, par exemple, par moment. Et oui, c'est... Non, mais c'est vraiment... Ça se base sur tout ce qui est science-fiction, ainsi que tout ce qui est scientifique, progrès scientifique actuel... Enfin, actuel, contemporain de l'époque de la création du scénario, en fin de compte.
Et pas les trucs les plus cons d'ailleurs, parce que comme je vous avais expliqué avec la théorie des cordes, c'est un truc que le... Pardon. Un truc que personne croyait intéressant, quoi. Et en fin de compte, il s'est prouvé, plus ou moins après, que cette référence était bien trouvée, parce que la théorie des cordes, c'est quand même quelque chose, on en parle encore aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est pas... Ah oui, donc une particularité de Xenosaga, et je pense... Que Xenosaga, il y a peut-être un autre jeu, j'arrive pas à me rappeler, qui fait sauvegarder en plein milieu d'une cinématique. Oh, attends, je crois qu'il y a un autre jeu qui fait ça. Ouais, bon, bref, on s'en fout, on sauvegarde en plein milieu d'une cinématique. Parce que c'est pas la fin d'une cinématique là, hein, c'est le milieu de la cinématique. Après, ça continue là, ça re-cinématique. Comme on va pouvoir le voir après ce temps de chargement. Donc, je disais, ça se base sur plein de références, et dont une des références. Carrément, c'est la Bible, quoi. Pas la référence numéro 1, mais on va dire la référence numéro 2, quoi. Hey Tony, how long before the Federation gets here? Well, let's see. The last SOS went out a half an hour ago, so we've probably got at least 3 hours, right? No sign of any nearby ships either, right, Hammer? Yep. We're the only ship within a 5,000 light-year radius. All right. That should be enough. Let's grab anything that looks salvageable. You know, Captain, I realize the deadline for paying back Master Guinan is right around the corner, but don't you think this is a little risky? If the Feds find us out, we'd be lucky to get 10 years. That's if they find out. You know the Feds aren't gonna patrol all the way out here in the middle of nowhere. Well, I just don't like the idea of feeding off the dead. I mean, what are we? Space jackals? Vultures? Hyenas? You moron. What kind of metaphor is that? Don't be comparing us to extinct animals. You'll jinx us. We're recyclers, damn it. Environmentally friendly space recyclers. Master Guinan told us to stay away from any side jobs, remember? He said it hurts the Foundation's image. I don't know. Oh-ho! We got a wrecked ship here, 3 o'clock. Looks like a Ganymede class. Nice work there, Tony. Eh, le type avec la casquette rouge, quand tu auras un bon gros zoom sur sa tête, on va pouvoir voir une inscription, la façon qu'il apparaît derrière. On va pouvoir voir une inscription sur sa casquette qui est vraiment, enfin, je veux dire, c'est complètement con et bien trouvé. Attends, j'espère qu'on va pouvoir voir ça bientôt. Parce que si là faut quand même un niveau en anglais. Moi j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir ce qu'il y avait marqué sur sa casquette parce que j'avais pas bien compris. En fin de compte, bon je vais vous le dire maintenant et vous ferez gaffe après. Il y a marqué je picole en fait. Le capitaine du vaisseau qui picole, quoi. Pas pourquoi ils ont voulu mettre ça, mais ça me fait marrer. You moron. What? Is that your grandfather out there? Don't be ridiculous. Just shut up and keep moving. Man, not again. Là, il y a un tas de bonnes blagues quand même. So typical of you, making us do all the dirty work. Attention, paré à la vanne dégueulasse et nécrophile. You moron! What the hell are you doing? I said bounce it off! Well, don't look at me. It got stuck on its own. It's not my fault. Whatever. Just get rid of it. Hey, it's a girl. She might be cute, you know? My ass, you sicko. Who the hell cares how she looks? She's dead. Exactly. Besides, she's facing the other way. It's a shame we can't meet face to face. Please open your communications line. I need to speak with you. Frequency 2020. A talking corpse! You moron! Open your eyes! That ain't no corpse! This ain't happening. Le doublage est toujours aussi excellent. It's a Realian, or a cyborg, something like that. But I've never heard of a Realian that can operate out in space. Well, it's probably a military robot or something. Just open the channel.
I'm Captain Matthews of the tramp freighter Elsa. We received your SOS signal earlier. It happened to be within range of our navigational path, so we rushed here to your rescue. Huh? Rescue? Yeah. So, is there anything we can do to assist you? What do you mean, rescue? What about our side job? Relax, you moron. We're gonna grab what we can while taking care of this little rescue. With this mess, I bet there's no one left alive anyway. I will make this brief. I request that you gate jump to Second Milsha immediately. Say what? Oh, yeah. Keep dreaming, sweetheart. We can't leave yet. We still got work to do. And besides, Second Milsha? Have you any idea how much it would cost to travel that far? There is no need for concern. We will cover all UMN gate fees incurred. You expect us to believe that? Even if that were true, we've got other business to attend to right now. We don't have that kind of time. My time is limited as well. Failure to comply will result in the destruction of this window. Go ahead, give it a try. The Elsa's forward window can withstand direct hits from debris as big as 6 millimeters. A punch from a girly like you wouldn't even dent. One more strike and this window will shatter. It appears that none of you are wearing spacesuits. Keep in mind that I am making this proposal with goodwill. I could just as easily toss you out into space and take over the ship. Okay! Yeah, we'll do it! Don't be so rash! Had you accommodated me from the outset, we would have saved 1 minute, 45 seconds. I am coming on board now. Please open the cargo bay. Yeah, right. One more thing. What? Do not accelerate in an attempt to knock me off. If you do so, I will destroy the engine and the entire ship with it. She's got us, Red. Shut up. Alors, je disais donc que l'une des grandes inspirations de ce jeu, c'est la Bible. Mais oui, alors, donc, c'est vrai. Mais dans le sens où la première inspiration, en fin de compte, c'est Nietzsche. C'est-à-dire un philosophe, si vous connaissez, enfin, vous devez connaître Nietzsche, mais ce qu'il a fait en particulier, donc, c'est donc plus ou moins déclarer la liberté de l'homme vis-à-vis de Dieu. Oh, hold on. Well, put it on the speakers. Donc en fait, il y a beaucoup de critiques de la religion en fait dans ce jeu, un peu comme dans Xenogears où la critique de la religion avait carrément été censurée en Amérique parce que ça plaisait pas, tiens. Les Américains sont assez conservateurs et intégristes dans leur genre, hein. Enfin bon, bref, c'est un peu des fous merde. J'adore le gars là qui est accroché à cette espèce de machin là, comme une moule à son rocher. Il a pas l'air con quand même. Don't worry. A rescue ship will come for us eventually. I'm more concerned about Cosmos. Now, where could she be? How would I know? Besides, we're not out of the woods yet. I mean, the Gnosis might still be around. I'm not worried about that right now. We have to retrieve Cosmos. Forget about Cosmos. What about us? I knew this was gonna happen, I wouldn't have let everyone else go first. Maybe they're still around. You think? I can't believe you. Alan, how can you be so insensitive after all that's happened? What do you mean? Of course I'm traumatized. Chief, that was really uncalled for. Do you think that I'm an emotionless android? For you to even think that? Is the most traumatizing thing of all. No, I never said anything like that! You just did! You think I'm an android, don't you? What the hell? Huh? Hey! Shion. Cosmos?
Cosmos, is that you? Where are you right now? I am on board a civilian ship passing through the area. Please remain at your current locale. A Federation rescue vessel should arrive soon. Il y a un truc qui est vraiment impressionnant avec ce jeu. C'est que même de nos jours, dans les RPG, on n'a pas une attention si cinématographique aux scènes, comme ces anges, etc., qui sont très bien faits, etc., etc. Je veux dire, ça fait très, très, très film. Alors que même dans des jeux actuels, les personnages, ils se parlent face à face. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, ça ressemble à des vieux jeux tout pourris en 2D, enfin tout pourris. Je veux dire, à des jeux qui... Enfin, en gros, on a l'impression qu'avec les doublages et tout le bordel, ils utilisent encore les vieux codes des RPG en 2D où les personnages se parlent face à face, qui se retournent comme s'ils avaient une sorte de piqué dans le cul et qu'on pouvait les faire tourner comme des marionnettes autour de ce piqué. Enfin bon, bref, C'est incroyable à quel point ce jeu a demandé une attention assez incroyable, alors que même cette attention-là, sur des gros blockbusters actuels, n'est pas vraiment respectée, quoi, je veux dire. C'est... voilà. Bon, là, il y a Cosmos qui essaye encore une fois de les tuer. You better bring us on board, or I'll open the hatch. You hear me? What are you doing, Chief? Please, don't do anything crazy! Be quiet, Alan. Listen to me, Cosmos. You know what'll happen if I turn this lever, right? Doesn't this go against your directive? After all, you're supposed to bring us back alive. Am I right? You are delaying me from my mission. I suggest you do as you please. Cosmos! You don't believe I'll do it, do you? I'm serious. She's really gonna do it! Why not help her? Sounds like she means it. Hey, Chaos, you're up. With all this racket, who could sleep? Cosmos fait vraiment une fixation. Is that okay with you? Well, it looks like she doesn't have any objections. So it's all up to you, Captain. What do you say? Les cheveux qui traversent l'épaule. C'est fashion, c'est... Sure, I don't mind. À cette époque-là, sur PlayStation 2, on pouvait pas faire ce genre de truc, style... faire en sorte qu'il y ait des limites aux polygones, etc., aussi précises que ça. C'était, bon, voilà, ce qu'on appelle un petit peu du passe-muraille, mais bon, bref, ça... C'est pas facile à éviter, c'est... Je veux dire, quand on développe un jeu, réussir à faire en sorte de garder suffisamment de performance au jeu tout en faisant en sorte qu'il ait ça. Maintenant que les consoles actuelles sont surpuissantes, c'est sûr que maintenant, s'il y a ça dans un jeu Xbox 360, c'est inexcusable. Mais bon, à cette époque, voilà quoi. I'm Captain Matthews. My name is Shion Uzuki. And I'm from Vector Industries' 1st R&D Division. And this is my co-worker, Alan Ridgely, who also works in the same division. We do apologize for all the trouble our errant Cosmos may have caused you. Come on, Alan. Show them your gratitude. Right. Thank heavens you were around to rescue us. We almost became space dust out there because of my stubborn boss here. You ought to save your thanks for Chaos over there. We were just gonna leave you and fly on out of here. Oh, I see. Thank you, Chaos.
J'adore sa façon de dire « Oh, je vois, pouf !» D'accord, ok, au revoir. Je te déteste. We can't turn him down when he asks for a favor. I see. That reminds me. Hey, Cosmos. And just what do you think you're doing? You left us and then tried to go to Second Milsia by yourself. Maybe your OS is malfunctioning or something. Yes, that is possible. By the way, what were the orders from HQ? Captain Matthews, may I use the maintenance lab next to the hangar? Just a second, Cosmos. Yeah, sure. What for? Cosmos? Due to the limitations of the test use condenser, my energy reserves are almost depleted. I wish to receive a co-generator bypass in order to replenish them. Hey! What is wrong with you? Answer me, Cosmos! So, you'll cover the bill, right? Yes. Cosmos! Xion! Yes? My sensors appear to be malfunctioning. Please adjust them before we disembark at our destination. Why should I? Please, Xion. This is part of your job, is it not? La bestiole est plutôt indomptable. I'm terribly sorry. The girl is just so stubborn. I do apologize for all the trouble she's causing. It's all right, I'm actually enjoying it. This ship's much livelier with more crew members. You got that right. We can always use some more women around here. How about it? Once we arrive, how about you and I get a suite and settle in with a nice bottle of wine? What? Hey! Sure. All right, that's enough, Tony. Never mind her, at least she's a real girl. The other one's not even human, she's battle weaponry. You think so, huh? She appears to be just like any other human to me. Captain, any chance of stopping at Sanir? Hmm? That's en route on the column. 3 or so days from Italia. If that's your destination, sure, I can do that. I see. And the fee? Today just ain't my day, and getting greedy now won't do me any good. I'll just put it on the tab. I appreciate it. Ah, don't mention it. You're a Marine. Let's just chalk it up to my bit of charity for the Corps. Couple of them are still lurking around. Ah, it's coming in! Son of a bitch! Chaos! I know. Chaos! It's okay. Ce type-là a les pouvoirs de la force. Et plus ses affinités. Alors, vous le reconnaissez peut-être d'ailleurs, ce type-là, là, le gars aux cheveux blancs, là. Parce qu'on l'avait vu en noir et blanc dans une de ses fameuses cinématiques. Et c'est ce truc-là inexplicable dont je vous parlais. Ce gars-là, on le voit avant même de le voir. Et on va se demander un bon moment pourquoi. Well, that's what I meant when I said he looks out for us. Looks out for you? How did he just do that? I've never heard of a human that can defeat Gnosis. There are those who draw well, and those who run fast. Hammer's navigational skills are top-notch, and his knowledge of the net is vast. Tony's helmsmanship skills are unrivaled. No one even comes close. Or so he claims. The captain? Well, no one holds a greater amount of debt than the captain. Ah, yes.
Hey, wait a second. Personne ne peut réussir à avoir autant de dettes que le capitaine. It's something that defines who they are. Shion, what is it that defines you? Huh? Me? Well, I... It's the same for me. It's just something I can do. Yep, that's all there is to it. Ah. I see. Right. I think I get it. It sort of makes sense when you put it that way. Yep, that's how it is. That's all that... What the... How can you be convinced by that? That was a gnosis, Chief. A gnosis! Well, Captain, we'd better head for our destination before she throws us off the ship. The girl seems to be a stickler. J'adore ce moment du jeu parce que... Enfin, du scénario en tout cas. Parce qu'ils ont réussi à rendre ce truc totalement illogique, totalement incompréhensible, etc. Ils en ont fait une petite scène comme ça. Et ils reconnaissent carrément le fait qu'il y a un mystère dedans, quoi, en fait. Et je sais pas, ça... Voilà, donc on se pose la question et on se la pose encore plus et... Et on se demande pourquoi il se pose pas la question. Donc il y a sûrement un truc quoi. There's a world of difference between the two. It's all about reality. Who are you kidding? It's all the same. Your brain can't tell the difference. Why you? Hurry up and take us out of here. All right. Roger that. Well then. I'll take Shion and the others to their rooms. That's very kind of you. All right, you do that. Damn! Today's been one hell of a day. Master Wilhelm. I have a report from Cosmos. Shion Uzuki and Alan Ridgely have both joined up with Cosmos. I see. This is fortunate. Especially since there's an unidentified ship closing in on the battlefield. And if the ship were to threaten the girl, Cosmos would protect her. Is that not right? Yes. That would be the prime directive. Either way, it was a wise decision to pull back Cosmos. There's no need for us to continue serving them or the Federation any longer. Besides, the data for the Rhine Maiden is now complete. All phenomena are moving forward as specified by this compass of order. As for the rest, gather the necessary factors. And wait for the other one to awaken. Et comme vous avez pu le remarquer, deux cinématiques de... deux sauvegardes de suite dans la même cinématique. La cinématique, c'est quasiment tout ce que vous aurez dans cette vidéo, hein. Il n'y a que de la cinématique. Pour une raison toute simple... C'est que vraiment ce jeu, il est un condensé de cinématiques. Alors certes le ratio quoi, c'est-à-dire le comment on peut dire la balance entre les cinématiques et le gameplay va peu à peu devenir de plus en plus convenable. Et pour le moment, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Surely they deserve more respect. Respect. Même si moi, ça me pose aucun problème. Je veux dire, je vois un bon film, voilà, bon, je me suis avec, quoi. C'est un film, quoi. If the need arises, I'm not against using the original either. All we have to do is repeat the process until we get results. Parce que, quoi qu'on en dise, hein, du bon cinéma de science-fiction, ça devient rare. Hein. Je veux dire, il y a eu Avatar il y a quelque temps.
assez sympa, mais très repompé de et merde, j'ai perdu le film sur lequel c'est repompé. Mais en tout cas, c'est repompé sur un autre film au niveau du scénario. Mais en fin de compte, c'est la même chose que ce truc-là avec des Indiens, etc. Sauf que c'est dans l'espace, quoi, je veux dire. Enfin bon, en fait, ça n'a pas grand-chose d'original, Avatar, à part peut-être l'environnement dans lequel ça se situe. Et donc des bons scénarios sur des films, des jeux, etc. De science-fiction, ça commence vraiment à bien manquer, quoi. Je veux dire, il y avait un moment où il y en avait beaucoup. Maintenant, c'est le vide. Donc ce jeu est plus un trip de fan de science-fiction qu'un trip de rôliste, même si quand on aime les RPG, le système de combat, je peux vous dire, il a quelque chose. Hein, je veux dire, il y a de quoi satisfaire beaucoup de gens. Hop, là je me tais. So, what can you tell us about this man? He was a special forces agent with the Federation Police, a counter-terrorism specialist. Of course, that was over 100 years ago. Now he's a cyborg working freelance missions. A cyborg? How anachronistic. He's a relic from the days when they reanimated the dead. They didn't have disposable realians like we do now. Well, he's certainly got quite a resume. Rumor has it, he deliberately seeks out missions with low odds of success. Is he insane, or just fascinated with death? Well, he's been given a clean bill of mental health. It doesn't look like he does it for the killing. Humph. Advances in science have placed thousands of drugs on our shelves. And yet, we still let psychiatrists wield their influence over us. They use these assessments to validate their existence. I don't believe them one bit. Well, he's got an extremely high success rate. I think he'll be fine. Sir, he's here. Show him in. That'll be all. Voilà l'un des personnages qui aura l'une des histoires les plus intéressantes. Ziggurat 8, isn't it? Upon your death in TC-4667, you donated your body and chose to become a product of Ziggurat Industries. That's correct. Have you heard about the mission? No. Recently, we received information that a certain armed group has shown signs of resurgence. Oui, parce que les personnages les personnages là que l'on voit en ce moment là, les tout premiers du début du jeu, c'est vrai qu'ils ont pas un passé très... Oh si, en fin de compte on s'en rend compte après, mais je veux dire on n'a pas de vrais doutes sur leur passé comme dans Xenogears, où dès le début du jeu on savait que le passé était très flou sur les personnages, parce que voilà, etc. Enfin bon, c'était un personnage amnésique avec des caractéristiques assez étranges. Mais et là, en fin de compte, dans ce premier épisode en tout cas, les personnages qui auront le background, le passé le plus important et intéressant, seront en fin de compte les personnages que l'on n'a pas encore vu, en fin de compte, à partir de maintenant, celui-là quoi, en fait, et d'autres. Oui, celui-là, oui, surtout celui-là, en fin de compte, dans cet épisode. Et Chaos, là, le fameux gars, là, qu'on sait absolument pas ce qui se passe, qui détruit un Gnosis, on sait pas trop comment. Built specifically to combat the Gnosis. I've heard rumors of them. But I didn't know they were disguised as children. Is this the first time you've seen the real thing? Yes. But isn't Vector already mass-producing them? This is a prototype. It will serve as the model for all future 100-series observational units.
So, what you're telling me is that securing this little girl takes priority over all else, right? It helps that you're a quick study. So, will you take the mission? A cyborg has no rights. I cannot refuse your request. I will analyze the situation and let you know what weapons and resources I need. I don't mean to demand any compensation, but may I make one request? Go ahead. After my return, I ask that you eliminate the neural memories residing in my brain from my previous life. That's not a problem. But it could be a difficult procedure with a body as outdated as yours. Add as many synthetic parts as necessary. What an odd request. These days, Rialians are clamoring for human rights, but here's a man who wants to become a machine. All right, we'll make the arrangements. Thank you. You can get the specifics from her, Dr. Yuri Mizrahi, later. Well, well. He didn't die in the line of duty. It says here he committed suicide. One shot in the head from his beloved pistol. Did you say suicide? Can we entrust the 100 series to that man? What if his self-destructive tendencies arise? Not to worry. He's been equipped with a safety mechanism which prevents him from hurting c'est himself très pratique or abandoning his mission. De ne pas pouvoir se tuer et abandonner sa propre mission. He was brought back to life against his will. Once he replaces the rest of his brain with synthetics, he'll be a complete machine. Only then will he be legally dead. How are you feeling, 100 series Rialian? Is the food here unsatisfactory? Even Rialians require nourishment, you know. Are the Federation's 100 series Rialians so ill-mannered that they don't even reply to simple questions? I don't like that name. Well, my goodness, pardon me. And what would you like to be called, Miss 100 series Rialian? I don't like strangers to be calling me by my name. Where are you planning on taking me? That, I'm afraid, is not for you to know. What will happen to me? You're going to help us out. Machines like you exist to be used. What happens to you after that, God only knows. Assuming you people even have a God, that is. All I can really do is seek out and find the Gnosis. I can't help you with anything! That may be true. But this part of you is a little different. We'd like to have a word with the man you have hidden inside of you. In any case, you'd best be keeping yourself alive as long as possible. He will be arriving soon. Est-ce qu'il y a encore de la cinématique? Ouais, non, il y a plus de cinématique, c'est bon. Je vais vous résumer plus ou moins ce qui se passe pour ceux qui comprennent absolument que dalle à l'anglais. Purée, il y a quand même une heure qu'il faut que je me rappelle. L'héroïne, la Shion, là, qui, donc, a dû s'échapper du vaisseau qui a explosé, etc., machin chose. Ils sont, avec Cosmos et compagnie, sur un vaisseau, qui se dirige vers une planète, la planète où se situera, en fin de compte, tout le second épisode de Xenosaga.
Après avoir fait ça, en fait, l'épisode se termine sur l'arrivée sur la planète en question. Donc tout le jeu va se passer sur en gros une sorte de voyage à travers l'espace en fait. Et on verra, il y a quelques surprises assez intéressantes. Et donc, on a dit à ce fameux personnage là qui est en fait un cyborg. C'est-à-dire un non-être humain en fait. C'est un être humain qui est mort et dont on a récupéré en fait sa cervelle et on en a fait un robot en fin de compte. C'est-à-dire qu'en fin de compte il est pas totalement humain quoi. Et ils ont raconté en fait que c'était parce qu'il s'était suicidé quoi. Donc c'est un peu la loose pour un gars. D'avoir voulu se tuer et d'avoir été ressuscité par tout simplement parce qu'ils avaient besoin de robots quoi. Enfin je veux dire c'est une grosse injustice, c'est-à-dire que c'est même pas la justice de la vie là, c'est l'injustice de la mort. Enfin bref. Et donc voilà, ça montre bien à quel point aussi le scénario touche à des termes vraiment et des thèmes surtout vraiment très très joyeux quoi, je veux dire c'est vraiment voilà c'est et c'est probable en plus c'est plausible quoi hein. Je veux dire c'est pas quelque chose de totalement farfelu dont on n'aurait jamais entendu parler de ça dans aucun enfin je veux dire on peut pas se dire ça ne peut jamais arriver quoi. En fait, ça part du principe que l'être humain a toujours été aussi, entre guillemets, inhumain que d'habitude, hein, même dans le futur. I see. So that 100 series Realian is encoded with extensive amounts of research data left behind by the founder of UTIC. Alors, donc ce gars doit aller chercher quelqu'un qui est donc retenu, je suis obligé de parler sur la cinématique sinon j'aurais pas le temps de terminer la vidéo, enfin je veux dire je suis obligé de parler après la vidéo, je ne sais quoi, surtout que je vais vous résumer ce qui vient de se passer en ce moment là, donc en fin de compte le, comment dire, oui il doit aller chercher la personne, enfin la petite fille là qui était emprisonnée. Et donc cette fille contient à l'intérieur même de sa tête, parce que c'est quelque chose de synthétique, elle contient la base de données d'un ancien scientifique fou qui en fin de compte est le mari de cette personne qu'on voit en ce moment à l'écran, qu'on voit plus, enfin qu'on voit, enfin la personne assise quoi, qui est mort depuis je sais pas combien de temps. Et qui a fait des expériences assez spéciales qui ont donc mené l'être humain à sa perte plus ou moins, ou au moins en tout cas une planète entière à sa perte, ce qui est quand même énorme quoi, je veux dire. Et donc on le traite de scientifique fou, etc. Il a fait plein d'inventions qui ont fait en sorte que l'être humain fasse des bons technologiques dans le temps assez énormes. Et des trucs donc qu'ils utilisent encore, etc. Je suis pas sûr que ce soit lui qui les a inventés, mais en tout cas, c'est lui qui les a perfectionnés. C'est ces fameux êtres humains de synthèse qui sont, les fameuses bananes là d'autre fois. Je crois que c'est lui qui les a inventés quoi, en fin de compte. Si je me rappelle bien, c'est lui qui les a inventés. Ou en tout cas, il a inventé les modèles actuels. Et voilà, il a fait, il est responsable de plus ou moins une tonne de catastrophes. Et ainsi qu'une tonne de projets, de progrès technologiques énormes, ce qui fait qu'on sait vraiment pas tellement quoi en penser en fait de ce type-là, si c'est un fou dangereux, etc., ou si à la place plutôt c'est plutôt quelqu'un de génial et d'incompris ou je ne sais quoi. Alors bon là je suis con, on m'a dit qu'il fallait que je marche pour ne pas me faire entendre. Mais voilà j'ai marché mais dans le sens où lui il me voyait donc l'ennemi, donc bon bah c'est pas grave, ça fera faire du level up hein, parce que de toute façon c'est toujours mieux de battre les ennemis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui donc c'est cette personne là qu'il faut sauver. Cette fameuse petite fille là, elle contient des données
qu'a inscrit et qui sont absolument introuvables, sinon à part ça, qu'a inscrit la personne en question, le fou dangereux, directement dans sa tête avant qu'il meure. Ces fameuses données, elle a été kidnappée à cause de ça pour pouvoir les récupérer. Et de nos jours là, maintenant là, il faut la récupérer parce que sinon ils risquent de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec ces données parce que elles sont plus ou moins importantes. On va réussir à la sauver hein, contre toute attente, hein, n'est-ce pas? Sauf que bon, ça va pas se terminer si bien que ça. Hein, ça, là par contre, le scénario, c'est cruel envers les héros, quoi. Je veux dire, les héros sont pas surpuissants et font pas que des énormes trucs absolument géniaux, etc. tout le long du jeu, quoi. Ils sont pas les super-héros du monde, là, on vient de libérer quelqu'un, etc. Oh, c'est trop fort, on le libère, etc. Oh, on libère quelqu'un d'autre, oh, on libère quelqu'un d'autre, et puis on a libéré le monde, et oh, c'est trop fort, quoi. Non, on n'est pas des super-héros, on fait des trucs, on arrive à faire des trucs géniaux, parfois. Mais c'est jamais forcément, on n'est pas les rois du monde, quoi, qui font tout ce qu'ils veulent. Voilà, si quelqu'un a trouvé cette référence toute pourrie à l'intérieur de ma phrase, là, oulala, je le plains. Je préfère que vous ne connaissiez pas ce que je viens de référer pour que vous n'ayez pas honte de ce que vous venez d'entendre. Tant pis. Je sais vraiment pas quoi dire maintenant. Parce qu'en fait, là, on va la sauver et ça va être combat sur combat. Donc, putain, ça craint, là. je parle, mais je sais pas ce que je fais, en fait. Je vais essayer quand même le tout pour le tout, hein. On va essayer de le battre. Parce que là, j'ai gagné une chose de boost. Donc, en fin de compte, ça me servira à rien, vu que la chose de boost peut nous servir à ne pas se prendre de dégâts. Seulement si on a deux personnages à la suite qui combattent. Donc voilà, là je viens de faire un boost, mais de toute façon, sauf s'il était trop rapide et qu'il pouvait attaquer deux fois de suite, je pense que je les bats pas en un coup, donc je vais quand même pas tenter non plus n'importe quoi et faire un game over. Parce que là, attention, hein, c'est pas Dragon Quest, hein, on ressuscite pas après, hein, non, si on meurt, on retourne à la dernière sauvegarde. Surtout que, comme vous avez pu le voir, je suis passé à côté d'une sauvegarde pour pas vous faire... faire chier avec ça, je suis passé à côté d'une sauvegarde sans rien faire, hein, je veux dire, voilà. Allez, hop, on continue, un petit temps de chargement. Alors oui, il y a des temps de chargement assez chiants, même après la fin des combats, mais comparativement à tout ce qu'il y avait sur PlayStation 2, hein, c'est pas dramatique. Voilà, on monte, on trouve un coffre, on éclate encore un mur, on trouve une porte. Normalement on n'a pas la clé, hein, j'ai pas vérifié si on pouvait l'ouvrir, mais bon, on s'en fout, hein, on n'a pas la clé. Équipement. Est-ce qu'on a un truc, non. Attends. Ah oui, c'est vrai, il y a trois catégories d'équipement. Les objets, les armures et les armes, ou je sais pas quoi. Ou ça doit être les armes, le premier truc. Le troisième objet, donc là, c'est que je viens de mettre un antipoison, en fait. Parce que, si je me rappelle bien, les ennemis sont capables d'envoyer une fameuse... Une truc qui s'appelle bombe moutarde. Comment on appelle ça? Oui, enfin, gaz moutarde, là, le fameux truc là qu'on envoyait dans les tranchées dans la Première Guerre mondiale, je crois. Cette espèce de saloperie nous empoisonne, donc vaut mieux essayer de s'immuniser le plus vite possible contre ce bordel, et comme je viens de retrouver dans le coffre là un objet qui permet d'immuniser à ça, et ben on va s'équiper tout de suite, hein. Bon, comme d'habitude, hein, comme dans la grande tradition de Dragon Quest, on trouve des objets utiles pour faire le donjon à l'intérieur même du donjon, quoi, je veux dire. C'est plus ou moins une constante du RPG, même s'il y a des RPG qui au contraire font plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire on gagne quasiment aucun objet dans les donjons et il faut retourner au machin pour les acheter. C'est un peu les donjons RPG souvent qui font ça, les dungeons RPG qui sont en fin de compte pas tellement pas tous les dungeons RPG, mais enfin bon, bref. Ouais, en fait les dungeons RPG pas vraiment, en fait
Ouais, enfin, je veux dire, certains RPG où vraiment tout se fait dans les villes, en fait. Là, j'utilise le S, hein, parce que, voilà, l'autre qui me donne que 50 points de vie, je pense que ça servirait à rien. Oh, si, ça aurait peut-être suffi. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a certains RPG où, en fait, les objets, les armes, les tout, et tout, etc., c'est vraiment que dans les villes, hein. Grandia, par exemple, dans son système d'amélioration de magie, on peut acheter les magies que dans les villes, quoi. Donc, si on vient de récupérer un 9 mana, c'est-à-dire un espèce d'objet qu'on doit échanger dans une boutique pour gagner des magies contre une magie, eh ben, si on a envie, parce qu'on bloque dans le donjon, on trouve qu'on n'est pas assez puissant ou je ne sais quoi, de se récupérer, voilà, les medikits normaux, c'est pas mal pour hors combat, quoi, en fait. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, voilà, il faut vraiment se démerder à revenir tout au bout, revenir dans la ville, etc., puis acheter le machin. C'est pas forcément un défaut, mais. Parce que, bon, c'est dans les RPG, hein. Y a jamais vraiment de défaut, en fait, hein. C'est plutôt des choses où il faut faire avec ou il faut pas faire avec, quoi. C'est pour ça que les RPG, en fait, ou ça plaît à quelqu'un ou ça lui plaît pas. Ça peut plaire à certains comme ça peut ne pas plaire du tout à d'autres. Tout simplement parce que en fin de compte, c'est plus une histoire de goût. C'est plutôt, en fin de compte, ce qu'on a envie de voir dans un RPG qu'on trouve bien. Et ce qu'on a surtout pas envie de voir dans un RPG qu'on trouve mauvais. Moi et Paul, en fin de compte, on est plutôt. En fait, on aime plutôt les RPG en général. Donc, faut vraiment que ce soit très casse-pied ou que ce soit vraiment un truc qui relève plutôt d'un travail super chiant, un truc super lourd, etc. Comme par exemple dans Final Fantasy XII où il faut faire du level up à outrance juste pour récupérer des points de permis pour pouvoir parce qu'on s'était gouré de chemin dans le truc à permis pour pouvoir ouvrir l'attaque qu'on voulait parce que on croyait qu'elle était là mais en fait elle était pas là, etc. Parce qu'on voit pas les cases à l'avance. Enfin bon, je veux dire ce genre de problème là par contre c'est vraiment une catastrophe. Et voilà, donc c'est ça franchement c'est donc regardez là on m'a donné ce truc là quand j'avais parlé au gars là qui était mort et on peut savoir avec enfin si on a la clé pour telle porte. Donc on voit les portes qu'on a découvertes ainsi que les clés qu'on a et si on a découvert la clé et la porte, on peut savoir facilement où on doit retourner pour pouvoir ouvrir la porte qu'on n'avait pas pu ouvrir la première fois. Qu'est-ce que je disais? Oui, dans Final Fantasy XII, où il faut tout le temps faire du level up, de l'XP, etc. De l'argent, parce que tout s'achète. Alors oui, alors un truc qui est chiant dans Final Fantasy XII, faut acheter les armes. Faut déverrouiller le permis qui te permet d'équiper une arme. Faut avoir assez d'argent pour acheter l'arme. Faut avoir assez d'argent pour déverrouiller le truc dans le permis, dans la grille des permis. Et plein de trucs comme ça, enfin bon, je veux dire, c'est. Ah là 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 là, Final Fantasy XII, c'est vraiment un jeu qui pêche en fait sur plein de petits défauts. En général, le jeu est plutôt bon, il a de bonnes idées, etc. Mais on a l'impression qu'il est resté en phase bêta, c'est-à-dire en gros, ils ont pas fait l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire qu'on doit être à la limite du c'est chiant à faire, mais pas arriver au c'est extrêmement chiant à faire, et donc du coup, il n'y a plus de plaisir. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des trucs un petit peu chiants, un petit peu lourds, qui t'obligent à revenir dans une ville, à faire de l'XP, etc. dans les jeux. Mais faut jamais que ça atteigne un niveau qui soit tel que l'on se dise non, non, là c'est bon, là j'ai atteint la limite supportable par un être humain, quoi. Et Final Fantasy XII, en fait, il a ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était une limite insupportable. Et le problème, c'est que les testeurs de jeux ont pas trouvé facilement ce défaut-là, tout simplement parce que les testeurs sont un petit peu, enfin, ils savent qu'il y a des trucs qui vont pas leur plaire, mais qui vont plaire à d'autres. Donc, ils ont du mal à se rendre compte ce qui va plaire à d'autres, mais qui ne leur a pas plu à eux. Donc, ils ont trouvé ça sûrement pour certains super pourri, mais ils se sont dit ouais mais ça plaît sûrement à plein d'autres gens, quoi. Je veux dire c'est moi qui déconne, c'est un Final Fantasy quand même, hein. Je veux dire d'ailleurs en plus de ça, oui, le principe de précaution vu que c'est un Final Fantasy s'applique voilà, là je viens de distraire le robot pour qu'il puisse pour pouvoir passer et pas me le prendre en pleine poire parce que c'est quand même des ennemis très coriaces.
Je l'avais battu une fois à ma première partie, juste pour le défi. Et ouais, enfin, en fin de compte, je le battrai la prochaine fois que je rentrerai dans le donjon, quand j'ouvrirai les portes que j'ai fermées, parce que franchement, ça sert à rien, à moins que je retourne jamais dans ce donjon d'ailleurs. Mais bon, bref, je veux dire, il donne un truc, mais c'est jamais intéressant. Voilà, bon, là ils disent des trucs pas trop intéressants, même si, bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? Vite. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc, je sais plus ce que je disais, mais je dis... Ah oui, voilà, oui, des trucs qui deviennent chiants, et qu'en fin de compte, quand on est testeur professionnel, on n'a pas envie de faire sa langue de pute, quoi, en fait, et de dire ses propres ressentis. On a plutôt envie de dire ce qu'on pense être le ressenti général. Et ça, en fait, il faudrait un juste équilibre. C'est-à-dire, si un testeur dit une connerie, etc., et qu'on se dit, putain, mais vraiment, pourquoi il a trouvé ça pourri, alors qu'en fait, ça, c'est super bien, faudrait pas trop lui en vouloir, parce que, on peut pas le savoir. Donc maintenant, en fait, ils font l'inverse. Ils deviennent trop négligents avec certains jeux. Enfin non, à une époque, ils ont été trop négligents sur certains jeux, en disant, ils sont super bien, alors que c'est pourri. Et surtout dans la génération PlayStation 2, en fait, c'est surtout les RPG PlayStation 2, ou voire les RPG DS comme Magical Star Scene, qui ont été, mais alors glorifiés, alors qu'en fin de compte, hein, ils ont rien de spécialement intéressant, quoi. Et c'est pareil pour Final Fantasy XII, il fait partie de ces jeux qui ont bluffé tout le monde sur beaucoup de points, mais qui ont des points tellement horribles et chiants que ça peut vraiment rebuter des gens, et ils ont oublié de le dire. Ils ont oublié de le mentionner, quoi, que ça pouvait vraiment être de la merde. Et même Gamekult, qui d'habitude, Gamekult, ils ont l'habitude d'être excellents en matière d'objectivité, quoi. Là, ils sont passés un peu à côté, quoi, mais bon, bref. Enfin, c'est pas grave. Surtout que, en plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que Final Fantasy XII est certes un très bon jeu, qui est adoré par un grand nombre de fans, etc. Mais il y a aussi, par rapport aux autres Final Fantasy, il y a quand même un espèce de nombre de détracteurs. On n'avait jamais vu ça depuis Final Fantasy VIII. Et encore, hein, même Final Fantasy VIII n'a pas autant de détracteurs, quoi. Je veux dire, c'est vraiment parce que Final Fantasy VIII, on peut faire avec les défauts, quoi. Enfin, ou plutôt, on peut faire sans. C'est-à-dire qu'on fait comme s'il y avait... Enfin, le défaut, on le voit, on sait qu'il existe. Et on se dit, bon, bah, il y a des défauts, il y a, hein, mais je vais pas utiliser les GeForce, par exemple. Je vais faire tout le jeu sans les utiliser, parce que... c'est totalement possible de faire le jeu sans les GeForce. Et le jeu devient bien, là, comme ça. Il devient vraiment très intéressant. Pas trop long, les combats s'éternisent pas. Enfin, bon, je veux dire... sans les GeForce, le jeu devient intéressant, en fait. Et je sais plus ce que je disais. Donc Final Fantasy XII fait partie de ces fameux jeux où il y a une communauté de fans et une communauté de gens qui ont vraiment détesté. Mais vraiment, hein, je veux dire, ça va loin, quoi. Hein, c'est incroyable. Et moi, je fais pas partie de ceux qui ont extrêmement détesté ce jeu, mais juste qui était déçu, mais à un point, je veux dire, ça s'appellerait pas Final Fantasy. Je suis déjà certain que aucun testeur aurait mis 18 à ce jeu, par exemple. Le jeu aurait eu, un truc du genre 14, quoi, parce qu'en fin de compte, si ça s'appelle Last Remnant au lieu de s'appeler Final Fantasy 12, bon, c'est quand même meilleur que Last Remnant, hein, mais si ça s'appelait Last Remnant, quoi, je veux dire, le jeu aurait eu, Last Remnant, c'est quand même l'un des seuls RPG qui a eu en dessous de 10, hein, donc c'est incroyable, mais voilà. Et donc il aurait eu un truc du style 14, quoi, je veux dire, il aurait pas eu une note aussi haute, parce qu'il y a quand même des défauts incroyables. D'ailleurs, en parlant de Last Remnant, ça me fait venir au deuxième point que je m'étais interrompu pendant que je disais ça, c'est que maintenant, de nos jours, les testeurs, en fait, visiblement, ils ont pris en compte le fait que Final Fantasy XII, ils l'avaient surnoté, en se disant que maintenant, au contraire, ils allaient devenir de vraies langues de pute sur les RPG. C'est-à-dire que maintenant, il y a quasiment aucun RPG qui est bien noté, quoi. Je veux dire, ils sont devenus complètement aigris, quoi. Hein. C'est aigris. Voilà, le... Bon, non, mais c'est incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, Blue Dragon, qui est dans l'absolu un RPG qui est quand même, que je trouve plaisant à jouer. Certes, peu original, mais plaisant à jouer. Et c'est toujours le principal dans un RPG, quoi.
un RPG, il faut que ce soit plaisant, quoi. Que même si c'est trop peu difficile, même si c'est trop classique, si le RPG est plaisant, ça passe, quoi. C'est sûr, il plaira pas à... Enfin, il vaut pas 18 non plus, hein. Mais je veux dire, il est quand même assez bon, quoi. Et Lost Odyssey, lui, qui par contre est d'un niveau que je qualifierais même carrément, vu ce que j'en ai vu pour l'instant de Final Fantasy XIII, carrément de supérieur à Final Fantasy XIII, et c'est là où on revient au symptôme Final Fantasy, ça s'appelle Final Fantasy. Donc on met une bonne note. Là, franchement, ça, c'est abusé, quoi. C'est n'importe quoi. Et donc je disais donc que Lost Odyssey, un scénario très bien ficelé, même si bon comme tout scénario il a ses failles, un scénario très bien ficelé avec de très bonnes idées, avec des personnages sympathiques même si leur caractère design est parfois, enfin on s'habitue, hein, mais le caractère design est vraiment très très spécial, hein, quand même au début on a, parce qu'en fin de compte ça fait réaliste, quoi, dans certains points. Ouais, en fait, compte, j'aime bien le caractère design. Au début, je trouvais ça dégueulasse, moisi, etc. Parce que j'aime bien le caractère design manga. Mais là, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas un peu de sérieux, quoi. Hein, c'est ça a rien de. Pourquoi j'ai fait. Ah si, j'ai la super attaque. Mais, je fais n'importe quoi. Je regarde plus ce que je fais comme attaque là quand je joue là. Parce que je suis dans mon débat passionné. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, oui. Alors que Lost Odyssey, qui est fait d'ailleurs par le créateur de Final Fantasy, hein, doit-on le dire. Non mais là c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le créateur de Final Fantasy se barre de la série. Et les Final Fantasy ont jamais été aussi mauvais que depuis qu'il n'est plus du tout à la tête des Final Fantasy. Et il se barre, il fait sa propre boîte, et les testeurs font leur grosse langue de pute en disant que c'est de la merde, que c'est un jeu qui voilà, il a des défauts. En fin de compte, il a les mêmes défauts que Final Fantasy X. Final Fantasy X qui a eu une sorte de 18 sur 20 lui avec, si je me rappelle bien. Et vu qu'il s'appelle pas Final Fantasy et qu'il a été fait par la même personne qui a fait Final Fantasy X d'ailleurs, hein, on peut pas dire que c'est juste un des, enfin bon voilà quoi. Hein. Non mais c'est juste la loose, quoi. C'est n'importe quoi. C'est sûr que c'est pas un RPG à plaire à tout le monde. Mais là, c'est juste n'importe quoi, quoi. Non, mais attends. Non, mais je vous jure. Non, mais c'est quoi ces bouffons? Non, mais oh là là. Et, en plus, si je devais choisir un RPG de la Xbox 360, beaucoup, c'est Tales of Us of... Non, pas beaucoup. C'est les testeurs. Pour eux, c'est Tales of Vesperia. Ou Final Fantasy XIII, je sais pas ce que ça donne maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était Tales of Vesperia. Pour moi, c'est Last Remnant, quoi. Oh là là, qu'est-ce que je raconte, Last Remnant. C'est le pire RPG auquel j'ai joué de ma vie. Non, je veux dire, Lost Odyssey. Là, j'utilise l'arme secondaire du personnage, là, parce que elle me permet de balayer les ennemis en un coup, parce que les ennemis qui crachent, là, que le robot principal crache, se battent en un coup. Donc voilà, je fais cette fameuse technique, après lui avoir fait une petite pichenette pour pouvoir regagner ma technique, et hop, voilà, je les bats tous les deux d'un coup, sauf que là, il y en a un qui a été loupé. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, parce que en fin de compte, ce sont les drones qui attaquent. Pas la base principale. La base principale, majoritairement, quand elle a plus de drone, elle... Là, je vais augmenter ma défense ou non? Non, on s'en fout. Je disais quoi? Oui, les drones, eux, ils... Enfin, voilà, quand il n'y a plus de drone, il fait popper des drones. Enfin, voilà. Je disais donc que Lost Odyssey, pour moi, c'est le RPG de la Xbox pour l'instant. Le RPG de la Xbox 360, c'est pas Final Fantasy XIII. Surtout que Final Fantasy XIII, le jeu est bien meilleur bien meilleur. Non, c'est le même jeu, hein, dans l'absolu. Mais sur PlayStation 3, les cinématiques sont de meilleure qualité, le jeu est de meilleure qualité, la résolution est plus haute, et le jeu est plus fluide. Donc, bon, bref, autant le prendre... Enfin, autant dire que c'est un jeu de la PlayStation 3, c'est pas un jeu de la Xbox. Mais sur Xbox 360, s'il y a une raison de prendre la Xbox 360, en particulier pour faire des RPG, c'est pour Eternal Sonata, Eternal Sonata, Lost Odyssey et les Mass Effect. Sauf que là, c'est pas du RPG Jap, donc ça va pas plaire à tout le monde non plus, mais je veux dire, pour ceux qui en ont rien à foutre. Enfin, moi, j'aime pas le RPG américain, mais Mass Effect se rapproche assez du RPG japonais, c'est-à-dire avec plusieurs personnages à la fois, on n'est jamais seul, etc. Enfin bon, bref, il se rapproche assez du RPG japonais pour que je le trouve divertissant. Et en plus, comme j'aime les univers de science-fiction, comme vous avez pu le remarquer avec...
Xenosaga, d'ailleurs c'est une autre saga, Mass Effect, il y en aura 3 aussi, comme pour Xenosaga. Eh ben, comme j'aime la science-fiction, je trouve que voilà, c'est aussi une série à suivre pour toutes les personnes qui aiment les RPG et qui aiment la science-fiction. En plus, alors là, si on aime la science-fiction, c'est encore mieux. Mass Effect, c'est à faire. Et donc, franchement, non mais vraiment, Lost Odyssey est un jeu à faire. Une belle histoire, des graphismes parfaits, quoi. Je veux dire, il colle très 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 bien à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence graphique et scénaristique en même temps. Et le jeu m'a surpris graphiquement. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était du niveau de la PlayStation 2, tout simplement parce que la caméra est pas libre. Alors oui, ça m'énerve parce que la caméra libre, c'est pas un truc qui sied au RPG. C'est un truc qui est fait pour les jeux de plateforme ou les jeux d'action. La caméra libre, c'est pas fait pour les RPG. Parce que les RPG, c'est fait pour nous en foutre plein la vue. Et nous en foutre plein la vue, ça se fait pas avec une caméra libre. Une caméra libre, ça pose toujours des problèmes d'angle de vue. On voit jamais le plus beau du décor, on voit toujours ce que l'on voit du décor. C'est-à-dire, si on tombe sur un bon angle, un bel angle, un beau truc à voir, qui est bien vu comme il faut, etc., c'est par chance, quoi. C'est pas. C'est rare les RPG. D'ailleurs, Dragon Quest est le RPG que je ferai la prochaine fois. Et ben, Dragon Quest, lui, c'est un RPG à caméra libre, mais il fait l'exploit d'être tellement beau partout, tout le temps, que ça gêne pas. Mais un RPG qui serait partout beau, partout, tout le temps, etc., c'est tellement rare, tellement difficile, tellement. Non, là, c'est. Je veux dire, ça tient du miracle. Donc, vaut mieux pas se la jouer, se la péter avec une caméra libre. Ça marche quasiment jamais, quoi, je veux dire, pour un RPG. Final Fantasy XIII, par exemple, il y a une caméra libre, mais comme on est tout le temps dans les couloirs, ça ne sert à rien, ça fait juste chier. Ça gêne pas non plus au fait que les décors soient beaux ou je ne sais quoi. Mais le jeu serait sorti peut-être un an plus tôt s'ils avaient pas modélisé les décors qui servent à rien en gardant des angles fixes, par exemple. Et rien que pour cette raison, je trouve que ça sert à rien. Bon, bah, on arrive à la fin de cette vidéo, après cette petite cinématique qui sert à rien parce qu'on vient juste de libérer et puis elle va nous suivre, quoi. Bon, ça sert pas à rien, mais je veux dire, ça sert à rien dans le sens de vous la laisser comme ça, indemne. Voilà, bah, je vais faire une sauvegarde, je vais récupérer sûrement un objet aussi. Parce que je crois qu'il y a 3 cellules et j'en ai fait qu'une. Voilà, et puis je vais faire la sauvegarde et je vous dis à la prochaine pour la suite du Wakfu qui risque de contenir enfin une bonne. Ouais, enfin je dis ça. Oui, en fait le... On n'est pas encore rentré dans les bonnes parties de gameplay avec des gros gros donjons, mais on va contenir la plus grosse partie du gameplay de ce donjon là. On a pu voir le début, et on a pu voir aussi le truc qui se passait à l'intérieur du navire, là, pour récapituler ce qui s'est passé dans la vidéo. Il s'est quasiment rien passé du tout non plus là-dedans, hein. C'était très court, c'était voilà, bon, une petite survie pour le début du jeu, pour que voilà. Et puis bon, bah, je vous dis salut et ben donc à la prochaine. Allez, je reprends ma vie, et... oui, je reprends ma vie, je sais pas, oui. Voilà, et donc je sauvegarde. Salut!